le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Et bénis tous les responsables. And bless all the leaders. Et bénis notre pasteur. And bless our pastors too. Qui nous a accordé la grâce. He's given us the grace. Pour qu'ensemble nous partageons la parole de Dieu ce soir. So that together we can share the word of God tonight. Donc nous sommes très heureux. So we are very, very happy. Et nous sommes dans la joie. And we are in a joy. D'être ici présent. To be present here. Ensemble. Together. Pour que nous bénissons le Seigneur. For us to bless the Lord. Avec nos frères qui sont en ligne. With our brothers online. Nous sommes tous ensemble. We are all together. Pour glorifier l'Éternel to Dieu. To give glory to the Lord God. Et sans plus tarder. And without further ado. Nous allons prendre nos Bibles. We are going to pick up our Bible. Et je vais faire la prière. And I'm going to pray. Seigneur éternel. Lord God. Nous sommes devant toi. We are before you. Et nos vies sont entre les creux de tes mains. And our lives are in the palms of your hand. Comme l'argile, Seigneur, entre les mains du potier. As the clay in the hands of the potters. Oh Seigneur, façonne-nous à ta manière. Lord, shape us in your way. Comme tu veux, Seigneur. In the way you please, Lord. Nous n'avons pas de beauté. We don't have any beautiness. Nous ne sommes rien, Seigneur. We are nothing, Lord. Seigneur, c'est toi qui fais de nous quelque chose. Lord, it is you that makes of us something, God. Et fais de nous encore, Seigneur, quelque chose pour ta gloire. Make of us something again for your glory. Fais de ton église quelque chose, Seigneur, pour ta gloire. Shape your church for your glory, Lord. Fais de ton peuple, Seigneur, ce que tu veux pour ta gloire. Make of your people what you want for your glory. Seigneur, merci. Lord, thank you. Pour la grâce. For the grace. Et pour ta présence. And for your presence. Conduis-nous. Guide us. Nous sommes entre tes mains. We are in your hands. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous allons partager deux passages ce soir. We are going to share two scriptures tonight. Et notre premier passage serait dans le livre de Psaumes. And the first one is in the book of Psalms. Le Psaume 90. Psalm 90. Le verset 12. Verse 12. Yep. Okay. Psalm 90, verse 12. So, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Amen. Gloire au Seigneur. Glory be to God. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Amen. Amen. Nous allons lire le deuxième passage dans le livre d'Ecclésias, le chapitre 12. So the second scripture is in the book of Ecclesiastes, chapter 12. Et le verset 1. And verse 1. Juste après Proverbes. Just after the book of Proverbs. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Remember now your Creator in the day of your youth, before the difficult day comes and the year draws near when you say, I have no pleasures in them. Amen. Alléluia. Hallelujah. Bien-aimés, voici deux passages qui sont très capitales. Beloved, these are two scriptures that are very key and essential. Très fort. Very strong. Et lorsque je méditais dans ces deux passages, and when I was meditating in these two scriptures, le thème qui m'est venu, the theme that came in my mind, et que je voudrais que nous partageons ensemble, and that I'd like to share with you, c'est prendre garde des jours que ton Dieu t'a donné. Is to pay attention, is to take care of the days that your God has given you. Prends garde des jours que ton Dieu t'a donné. Take care of the days that your God has given you. Bien-aimé, en parcourant le texte, on saura pourquoi. Beloved, in reading the scripture, we are going to find out why. Parce que nous constatons ici, bien-aimé, because we can see here, beloved, que dans ce passage, il demande, enseigne-moi à bien compter mes jours. That in this scripture is asking, teach me to know how to count up my days. Bien-aimé, vous savez, nous savons bien qu'en tant qu'homme sur la terre, we know very well that as men on earth,
des êtres humains, human being, Dieu qui a créé l'homme, God who's created man, et qui l'a placé sur la terre, and who's put him on earth, il lui a donné des jours à pouvoir vivre sur la terre. His number is dead on earth. Il a donné à cet homme des jours. His number man can their days. Et ces jours ici là, and these days, ne sont pas les jours que nous voyons, comme nous voyons. It's not days in the manner that we see. Ici, ces jours sont l'image du temps que Dieu t'a donné de vivre sur la terre. These days are here the image of the time that God's given you to live on earth. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que tu es là? Are you here with us? Ces jours sont le temps que le Seigneur nous donne de pouvoir vivre pendant tout le temps que nous allons passer sur la terre. So these days are the time that the Lord is giving us to live throughout all our existence on earth. Bien-aimés, et nous allons retenir quelque chose. And we will remember one thing. Que je veux aller un peu en arrière. That I want to go a bit back on. Pour que tu puisses comprendre mieux. In order for you to understand better. Vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme, you know when God created man, Dieu avait son plan avec l'homme. God had his plan with man. Et je vais aller rapidement dans le premier point. And I want to go quickly in the first point, and I'm going to explain this. Le premier point, c'est que nos jours sont limités. The first point is that our days are limited. Les jours de ta vie sont limités. The days of your life are limited. Et tu dois comprendre cela. And you must understand this. Et tu dois prendre conscience de cela. And you need to take conscience of this as well. Lorsque Dieu a créé l'homme, when God created man, c'était parfait. It was perfect. Et Dieu n'avait pas limité les jours de l'existence de l'homme sur la terre. And at that time, God did not limit the day of the existence of man on earth. Mais Dieu a placé l'homme dans un jardin, le jardin d'Éden. But God placed man in the garden of Eden. Là où il y avait tous les fruits dont l'homme devait se nourrir. Where there were all the fruits that man could eat. Et il y avait ce fruit dont Dieu a défendu à l'homme de ne pas toucher. And there was that forbidden fruit that man was not allowed to touch. Et Dieu a donné un avertissement à l'homme. And God gave a warning to man. Il a dit, le jour que tu toucheras à ce fruit, he said, the day you will touch this fruit, le jour que tu mangeras à ce fruit, the day you will eat of this fruit, tu mourras. You will die. Tu mourras. You will die. Et tu peux voir cela dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 15 à 17. And you can see this in the book of Genesis 2 from verse 15 to 17. Et dans le chapitre 3 de Genèse, and in chapter 3 of Genesis, on voit que l'homme a désobéi à Dieu. You can see that man disobeyed to God. Et à cet instant-là, and from that moment that he disobeyed, la mort est entrée dans la vie de l'homme. Death came in the life of man. Et cette mort n'a pas frappé l'homme directement. And this death did not come and strike the man directly. Cette mort-là est venue limiter la durée de la vie de l'homme sur la terre. This death came to limit the length of the life of man on earth. Et nous pouvons voir dans Genèse 3, lorsque l'homme a mangé du fruit, and we can see in Genesis 3 that when man ate of that fruit, Dieu a dit à l'homme, God said to man, Dieu a dit à l'homme que maintenant tu vas mourir. God said to man that now you're going to die. Il a chassé l'homme du jardin. He got him out of the garden. Et les jours de l'homme, and the days of man, sont limités désormais. Were therefore limited from that time. L'homme n'est plus pour vivre pour toute l'éternité comme Dieu l'avait créé. Man was therefore no longer able to live for all eternity in the manner in which God created him. Donc bien-aimé, so beloved, la vie de l'homme a été limitée. The life of man was therefore limited. Pendant qu'il vivait et malgré qu'il vivait encore, despite the fact that he was still alive, tu dois comprendre que la vie physique que nous avons, you need to understand that the physical life that we have, cette vie-là est limitée. This life is limited. Si c'est pas par la mort, if it is not through death, c'est lorsque le Seigneur va venir. It is also when the Lord is going to come. Et nous allons quitter la terre. And then we are going to leave this earth. Et nous allons comprendre. And we are going to understand. Que dans ce passage, dans la prière que Moïse est en train d'adresser à Dieu dans le psaume 90. That in the prayer that Moses is addressing to God in Psalm 90.
C'est une prière, bien-aimé, d'un homme qui a compris véritablement que ses vies sont limitées sur la terre. It is a prayer of a man who understood that his days are numbered on earth. Moïse a compris exactement le sens que vraiment que sa vie, ses jours sont limités. And Moses understood truly that his days were numbered. Et c'est pour cela qu'il va faire sa prière et demander à Dieu. That's why he's going to pray to God and ask from him. Que Seigneur enseigne-moi à mieux compter mes jours. He's going to say, teach me to number my days. Enseigne-moi à mieux compter mes jours. Teach me to number my days. Est-ce que cela est ton cas aujourd'hui? Is it the same case for you today? Voici la prière d'un homme qui est intelligent. This is a prayer of a man who is intelligent. Qu'il a pu comprendre que en réalité sur la terre, he understood that in reality on earth, un jour il partira. That one day he will leave. Et lorsqu'il va partir, and when he's going to leave, qu'est-ce qui va se passer? What will happen? Ce qui est sûr, what is sure, c'est que quelque chose se passera. Is that something is going to happen? Et c'est ce que lui il a pris conscience de cela. And then this is what he took conscience of. Et c'est ce que tu dois prendre aussi conscience and de cela. This is also what you must take conscience of. Et c'est ce que l'Église ensemble doit prendre conscience de cela. And this is what the church together we need to take conscience of. Pas seulement l'Église. Not only the church. Mais toute personne qui vit sur la terre. But every single person that is alive on earth. Doit prendre conscience. Must take conscience. Afin de mieux garder les jours que Dieu lui donne. In order to keep well the days that God is giving you. Les jours que Dieu te donne sont très précieux. The days that God is giving you are very precious. Les jours que Dieu te donne sont très 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 précieux. The days that God is giving you are very very precious. Et tu dois prendre conscience de cela. And you need to take conscience of this. Tu dois prendre garde de cela. You must be really really careful with this. Parce que tu ne dois pas faire de ces jours ce que tu veux. Because you must not do in these days just in any manner that you please. Bien-aimés, nous allons voir. Beloved, we are going to see que l'homme, that man, lorsqu'il est sur la terre, when a person is on earth, lorsqu'il vit sur la terre, when they're still alive on earth, on voit que l'homme a tendance de vouloir vivre comme il veut. You can see that man, they like to live in the manner that they please. Et dans notre chez nous, certaines personnes disent que la vie est courte. And where I'm coming from, some people say that the life is short. Quand il dit que la vie est courte, when they say that life is short, ça veut dire que les jours de l'homme sont limités. Meaning that the days of man are numbered. Il ne peut pas, c'est pas beaucoup. Those days are not many. Et lorsqu'il dit que la vie est courte, when he says that life is short, au lieu de prendre conscience et de vivre positivement, rather than take conscience and living in a positive manner, ils vont encore vivre comme bon le semble. They're going to go and live in the manner which they please. Ils vont encore détruire toutes ces vies que Dieu leur a données. And they're going to go and destroy all the life that God's given them. Je disais que pendant que nous vivons physiquement sur la terre, and as I was saying, whilst we are alive physically on earth, pas ici, je disais cela chez moi, I was saying this at my house, que c'est notre vie physique là qui doit préparer notre vie spirituelle. That it is our physical life which must prepare our spiritual life. C'est la vie que j'ai là. It is the life that I have now. Si je ne puisse pas l'utiliser pour préparer la vie spirituelle que je vais entrer dedans demain, if I'm not able to use it to prepare the spiritual life that I am going to enter in tomorrow, bien-aimé, j'aurai des difficultés. Beloved, I'll have quite a lot of difficulties. Je vais souffrir. I'm going to suffer. Et je vais périr. And I'm going to perish. Donc, bien-aimé, nous devons comprendre quelque chose. So, beloved, we need to understand one thing. Que c'est pendant notre existence sur la terre. That it is during our existence on earth. Que nous allons prendre conscience. That we need to take conscience. Et faire bon usage des jours que Dieu nous donne. And then make good usage of the day that God is granting us. Tu dois faire bon usage des jours que Dieu te donne. You must use these days that God is granting you in a good way. Tu ne dois pas les prostituer. You must not just prostitute them. Tu ne dois pas les gaspiller n'importe comment. You must not just spoil them. Tu dois prendre conscience. You need to take conscience. Nous voyons des gens que
Ils s'en foutent des jours que Dieu leur donne. We can see some people out there, they don't care about the days that they've been given. Ils ne savent pas que ces jours que Dieu leur donne sont précieux. They don't know that those days that they've been granted are precious. Et cependant, ils passent tous ces jours dans la drogue. And meanwhile, they spend all those days taking drugs. Dans l'alcool. Drinking. Dans toutes sortes de péchés. In all kind of sin. Dans la prostitution. In prostitution. Dans les querelles, dans les haines. In hatred, in quarreling. Dans la méchanceté. In wickedness. Bien-aimé, ça ne doit pas être ton cas. Beloved, this must not be your case. Ça ne doit pas être notre cas. This must not be our case. Vous savez, Moïse. You know, Moses. L'homme qui est en train de faire la prière. The man who's doing this prayer in Psalm 19. Je vais parler un peu de lui. I want to speak a bit about him. Et peut-être beaucoup en connaissent. And maybe many here, they know about him. C'est l'homme qui a rencontré Dieu dans le buisson ardent. It was the man that met God in a burning bush. C'est l'homme. Il a parlé avec Dieu face à face. It was the man that spoke to God face to face. C'est l'homme que Dieu l'a utilisé pour traverser la mer Rouge à sec. It's the man that God used to split the Red Sea in two and then to walk on a dry land. C'est l'homme qui allait passer 40 jours dans la montagne avec Dieu. It's the man that went up in the mountain and spent 40 days and night in the mountain with God. Mais regardez la prière de cet homme-là ici. But look at the prayer of this man here in this psalm. Enseigne-moi à bien compter mes jours. That teach us to number our days. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Teach us how to number our day in a better Pourquoi? Manner. Why? Parce qu'il a compris quelque chose. Because he understood one thing. Ce que tu dois aussi comprendre. The same thing that you need to understand. Que du fait que il a rencontré Dieu face à face. That from the fact that he met God face to face. Du fait qu'il a traversé la mer Rouge à sec. The fact that he went through the Red Sea on dry land. Du fait qu'il allait parler avec Dieu face à face comme ça. The fact that he went up to the mountain to speak to God face to face in this way. S'il prostitue ses jours. If he's just wasting his days. S'il détruit les jours que Dieu lui a donné sur la terre. If he's just destroying all those days. Malgré tout ce qu'il a vécu avec Dieu. Despite everything that he's been through with God. Il va périr. It's going to perish. Il va périr. It's going to perish. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Are you here with us? Il va périr. It's going to perish. C'est pour cela qu'il a eu, l'esprit de faire cette prière qui est une prière intelligente. That's why he had the spirit to make this prayer, which is an intelligent prayer. Et c'est ce que tu dois observer aussi. And this is also what you must do too. Si tu ne veux pas périr. If you don't want to perish. Si tu veux être sauvé. If you want to be saved. Tu dois dire à Dieu. You must say to God. Enseigne-moi. Teach me. Apprends-moi. Teach me. À bien compter mes jours. To number my day very well. À bien considérer les jours que tu me donnes. To consider this day that you're giving me very à well. À ne pas faire de ces jours n'importe quoi. Teach me not to do of them just in any way which I please. Bien-aimé. Beloved. Il dit afin que je puisse m'appliquer, appliquer mon cœur à la sagesse. He said that therefore we may gain a heart of wisdom. Vous savez que on demande que quelque chose qu'on ne connaît pas. You see, you know, we only ask from something or about something that we don't know. Et c'est ce que Moïse demandait. And then this is what Moses was asking or requesting. Si connaissait compter ses jours, mais qui veut dire que compter les jours ici, ce n'est pas juste compter des jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No. If you knew how to count these days, counting here does not mean just counting one day, two days or three days or four days. No. C'est-à-dire, ça veut dire que Seigneur, enseigne-moi à prendre soin des jours que tu m'as donné. What it means is that, Lord, teach me how to take good care of the days that you've given me. Hallelujah. Hallelujah. Bien-aimé, c'est ce que nous devons observer. Beloved, this is what we must do. Prends soin des jours que le Seigneur nous donne. To take care of the day that the Lord is giving us. Comme j'ai dit, ce sont le temps que Dieu te donne de vivre sur la terre. And as I said, this is the time that God is giving you to live on earth. Seigneur, aide-moi à bien observer, à bien pratiquer dans ce temps que tu me donnes de vivre, à bien l'utiliser. Lord, help me to use these days that you're giving me to live in a good manner. Bien-aimé, c'est il dit afin que je puisse appliquer mon cœur. Beloved, it's in order for me to gain a heart of wisdom. Vous savez bien que dans la vie, on fait beaucoup de choses. You know very well that in life we do many things. Mais il y a des choses que tu dois appliquer ton cœur. But there are things that you need to gain a heart of wisdom on.
Il y a des choses que tu dois appliquer ton cœur à le faire. There are things that you need to gain a heart of wisdom on. Il y a des choses que je dois appliquer mon cœur là-dedans. There are stuff that I need to give my heart in them. Et ces choses ne peuvent venir que de la sagesse. And those things can only come from wisdom. Je ne peux connaître ces choses que par la sagesse. And those things that I need to apply in my life, I can only know them through wisdom. Bien-aimés, nous allons lire un autre texte. Beloved, we are going to read another scripture. Pour que tu puisses comprendre. In order for you to understand. Dans 1 Pierre. In 1 Peter. Le chapitre 2, le verset 11. Chapter 2, verse 11. Pour que tu puisses comprendre pourquoi nous devons considérer et apprécier. In order for you to understand why we need to consider and also appreciate. Les jours que Dieu nous donne. The days that God is granting us. Pendant que nous sommes sur la terre. Whilst we're still on earth. 1 Pierre 2. 1 Peter chapter 2. Et le verset 11. Verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. Beloved, I beg you, as sojourner and pilgrim, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, ce passage déclare. Beloved, this scripture says. Il dit. Ce passage nous dit que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. This scripture tells us that we are sojourner and pilgrim on earth. Que tu es un étranger. That you are just a sojourner, a traveler. Sur la terre. On earth. Ça veut dire que tes jours sur la terre. Meaning that your days on earth. Nous savons bien comment un étranger est. We know very well how a stranger or how a traveler is. Un étranger ou un voyageur. Or a foreigner or a traveler. It's somebody that counts his day parce somewhere. Qu'il sait que tel jour je vais partir. Because he knows that one day I must leave. Tel jour je m'en vais. That this day I must go. Et chaque jour il prépare. Il prépare ces jours-là. And il fait quelque chose. And every single day he prepares the day that is going to leave. Par rapport à son voyage. In regard to his journey. Et c'est ce que bien-aimé le Seigneur nous a dit. And this is what the Lord is telling us here. Le Seigneur nous a promis. The Lord has promised us. Il nous a dit de ne point s'inquiéter. He told us not to worry. Il t'a dit de ne point t'inquiéter. He said to you, do not trouble your heart. De croire au Seigneur. Believe in the Lord. Et de croire en lui. And believe in him. Car lui, il va nous préparer une place. For him, he's going somewhere to prepare us a place. Et lorsqu'il aura fini de nous préparer une place. And when he would have finished to prepare us a place. Il reviendra. He will come back. Et il nous prendra avec lui. And he will take us with him. Afin que nous puissions y être aussi là où il se trouve. In order for us to be where he will be too. Bien-aimé, c'est pour que tu puisses comprendre. Beloved, it is in order for you to understand. Pour que nous puissions comprendre ensemble. For us to understand together. Et faire attention ensemble. And also to be careful together. Et prendre garde de ces jours que nous sommes en train de passer encore sur la terre. And to take heed or to pay attention to these days that we are still spending on earth. Nous sommes en train de passer les derniers temps sur la terre. We are spending our last times on earth. Parce que le Seigneur revient bientôt. Because the Lord is coming back soon. Et tu dois prendre conscience. And you must take conscience. Et prendre soin de tes jours. And you must take care of your et days. Et ne pas faire de tes jours de ce que tu veux. And you must not do of your day just in any manner ne that you please. Passer des jours dans les colonies. You must not spend all your day in grudges, in wickedness, dans la haine, in hatred, dans les jalousies, in jealousies. Bien-aimé, tu dois faire attention. Beloved, you must be careful. Tu dois faire attention. You must be careful. Il y a ceux qui gaspillent les jours dans la rébellion. Some are wasting their days in disobedience. Bien-aimé, tu dois faire attention. Beloved, you must be careful. Comme la Bible nous le dit. In the same manner that the Bible tells nous us. Nous allons aller rapidement dans notre deuxième point. Quickly, we are going to go in the second point. Qui est, bien-aimé, que j'ai dit, applique ton cœur à la sagesse. That I say, apply your heart to wisdom. Dans notre deuxième passage que nous avons lu dans le livre d'Ecclésiaste. In the second scripture that we read in the book of Ecclesiastes. Nous constatons ce que la parole de Dieu dit. We can see here what the word of God tells us. Il dit, jeune homme, réjouis-toi.
He said, young man, rejoice yourself. Dans ta jeunesse, in your youth. Ton cœur à la joie. Remember now your Creator in the days of your youth. Bien-aimé, beloved, ici, dans ce passage, in this scripture, la Bible nous interpelle. The Bible is calling upon us. Lorsqu'il dit rejouis-toi. When he said rejoice yourself. Vis comme tu veux, livre ton cœur à la joie. It says live in the manner that you please and then give your heart to joy. Be very careful. Ce n'est pas qu'il est en train de t'encourager. It's not encouraging you. Il n'est pas en train de te dire va vivre comme ça. It's not asking you to go and live in this manner. C'est ce que nous pouvons appeler. This is what we can call le désir de la chair. The lust of the flesh. La vie de la chair. The lust, the life of the flesh. Si tu vis comme tu veux. If you live in the manner that you please. Si tu vis dans cette manière. If you live in this kind of way. Tu n'es pas en train d'appliquer ton cœur à la sagesse. You are not applying your heart or you are applying your heart to wisdom. Tu n'es pas en train d'appliquer ton cœur à la sagesse. You are not applying your heart to wisdom. Bien-aimé, du fait que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. Beloved, from the fact that we are applying our heart to wisdom, nous recevons la sagesse de Dieu. We are receiving the wisdom of God. Et de cette sagesse que la Bible parle ici. And from this wisdom that the Bible is speaking about here. Ce n'est pas la sagesse comme nous les hommes nous parlons de la sagesse. It is not the same wisdom in the same manner that us humans we speak about. Lorsque la Bible parle de la sagesse, when the Bible speaks about wisdom, cela concerne le conseil de Dieu. This is regarding the counsel of God. Le conseil de Dieu. The counsel of God. Lorsque tu te disposes à écouter le conseil de Dieu, when you're making yourself available to listen to the voice and the counsel of God, tu es en train de marcher dans la sagesse. You are therefore walking in wisdom. Tu es en train d'acquérir la sagesse. You are therefore acquiring wisdom. Donc bien-aimé, beloved, lorsque tu appliques ton cœur à la sagesse, when you apply your heart to wisdom, il y a beaucoup de choses, bien-aimé, there are many things, beloved, que tu reçois, that you do receive, que à partir de la sagesse, that from wisdom, tu prends conscience, that you're going to take conscious of. Nous voyons ici, il dit, vis comme tu veux. We can see here, it will say, live in the manner that you please. Comme ton cœur te désire. In the way that your heart desires. Et dit, mais n'oublie pas une chose. But it says, do not forget one thing. Qu'un jour Dieu va t'appeler en jugement. That one day God is going to call you to judgment. Hallelujah. Hallelujah. Que si on vit comme on veut. If you live in the manner that you please. Si on fait comme on veut. If you just do in the manner that you please. Il faut savoir qu'un jour Dieu va t'interpeller. You need to know that one day you're going to answer to God. Et ça ne serait pas une bonne chose. And it won't be a good thing. Hallelujah. Hallelujah. Ça ne serait pas une bonne chose. It won't be a good thing. Et ce n'est pas ce que Dieu veut que ça t'arrive. And then this is not what God wants for it to happen to you. Ce n'est pas ce que Dieu veut que ça nous arrive. God does not want this to happen to us. C'est pour cela qu'il dit, enseigne-moi à bien compter mes jours. This is what Moses would say, teach me to number my days. Enseigne-nous à mieux compter nos jours. Teach us to number our days in a good manner. Bien-aimé, beloved. Afin que lorsque tu connais, tu as la connaissance que vraiment un jour Dieu va t'appeler en jugement. In order that when you have this knowledge that one day God is going to call upon you to judgment, tu vas t'abstenir. You're going to abstain yourself. Même si c'est quelqu'un qui était en train de te flatter. Even if it was something flattering you, somebody flattering you. Même si c'est quelqu'un qui était en train de te séduire, que viens, il n'y a rien ne va se passer, viens, on vit comme on veut. Even if it was somebody deceiving you, asking to come, oh, let's come and go and live in the manner that we want, that nothing is going to happen. Viens, on fait comme on veut. That let's just act in the manner that we want. Viens, on s'en fout, if on s'en fout des gens. That please come and don't care about people. Bien-aimé. Beloved. Tu vas faire attention. You must be careful. Parce que un jour, because one day, Dieu va nous interpeller. God is going to call upon you. Dieu va t'interpeller. God is going to call upon you. Si toi tu veux vivre comme tu veux. If you want to live in a manner that you like. Dans les plaisirs de ton cœur. In the pleasures of your heart. Si tu veux vivre comme tu veux. If you want to live in a way si you like. Si tu veux pas écouter les conseils de Dieu. If you don't want to listen to the advice si from the advice of God. Si tu veux pas écouter aux hommes de Dieu. If you don't want to listen from the men of God. Si tu veux pas écouter ceux qui t'annoncent l'évangile. If you don't want to listen to those that are proclaiming the gospel tu to you. Que tu veux vivre d'abord ta vie. And then claiming that you want to live your life first. Tu veux d'abord travailler comme tu veux. That you just want to work in the manner that you parce please. Parce qu'il y a ceux qui toute leur vie c'est aller travailler, rentrer, manger, dormir. Because some all their life is just to go to work,
to come back and eat and go to sleep. Demain, faire la même routine. And then tomorrow do the same thing and over et and over. Ils ne font que cela dans toute leur vie. And over and over again in all their life. Bien-aimé, tu dois savoir. Beloved, you need to know. Si c'est ce que tu fais. That if this is what you're doing. Fais attention. Be careful. Parce qu'un jour, Dieu va t'interpeller. Because one day God is gonna call upon you. Hallelujah. Hallelujah. Un jour, Dieu va t'interpeller. One day God is gonna call upon you. La jeunesse, fais attention. Youth one, be careful. Lorsqu'on vous dit, il faut vous abstenir. When we tell you, refrain yourself. Il faut vous abstenir. That refrain yourself. Vous dites que non, on vous demande trop. And then you're going to say, oh, you're asking us too much. On vous demande de respecter les parents. We are asking you to pay respect to your parents. Vous ne voulez pas. But you don't want to do it. Bien-aimé, vous devez faire attention. Youth one, be very careful. Vous devez faire attention. You need to be very careful. Comme la Bible dit. As the Bible says. Il dit jeune homme. It says young man. Nous tous ici, nous sommes des jeunes. Hein? All of us here, we're young people. Nous sommes tous des jeunes. Amen. We are all young people. Amen. 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 Nous sommes tous des jeunes. We are all young people. Tu dois comprendre cela. You must understand this. Que tu es très jeune. That you are very young. Devant Dieu, tu es jeune. Before God, you are very young. Hallelujah. Hallelujah. La Bible dit qu'un jour. The Bible said that one day. Devant Dieu. Before God. Est comme mille ans. It's like 1,000 years. Et mille ans est comme un jour. And 1,000 years is like one day. Donc tu dois comprendre beaucoup de choses. So you need to understand many things. Hallelujah. Hallelujah. Oui, bien-aimé, on doit faire attention. Yes, beloved, we must be very lorsque careful. Lorsque nous appliquons à la sagesse. When we apply our heart to wisdom. Nous acquérons la connaissance. Therefore, we acquire knowledge. Nous, on a, la connaissance vient à nous. And knowledge comes in et us. Et tu ne peux plus périr. And you won't perish anymore. Parce que le Seigneur dit, son peuple périt que par manque de connaissance. Because the Lord says that his people perish because of lack of knowledge. Lorsque la connaissance est en toi. When knowledge is in you. Tu fais usage de la connaissance que qui est en toi. You will use that knowledge that is in you. Et tu ne pourras pas périr. And you won't perish. Hallelujah. Hallelujah. Et tu ne pourras pas périr. And you will not perish. Bien-aimé, donc tu dois faire attention. Beloved, therefore you need to be careful. Le Seigneur veut ton bien. The Lord wants your good. Il veut mon bien. He wants my good. Et c'est pour cela qu'il nous interpelle. That's why he's calling upon us today. C'est pour cela qu'il nous dit de faire attention. That's why he's reminding us to be careful. De prendre garde au jour qu'il nous donne. To take heed of the day that is giving us. Lorsque tu te lèves le matin. When you rise up in the morning. Quelle est ta prière? What is your prayer? Est-ce que tu dis merci au Seigneur? Do you say thank you God? Pour cette journée qui t'a donné. For this day that is granted you. Pour le miracle que tu sois en vie. For the miracle that you are in life. Est-ce que tu prends la peine de remercier le Seigneur? Do you even give thanks to the Lord. Bien-aimé, si tu le fais, beloved, if you do it, que le Seigneur te bénisse, may the Lord bless et continue you à le faire, and carry on doing this. Et continue à le faire. Carry on doing this. Si toi tu le fais, si tu prends soin, tu prends le temps de prier, if you take your time to pray in the morning, et de demander au Seigneur, and to ask from the Lord, de t'aider à bien utiliser ces jours qui te donnent, to help you to use these days that is given you on dans earth, le bon sens, in a good way. Quand on parle du bon sens, when we speak about good way, ce n'est pas juste dans le sens moral. It is not only in a moral way. C'est d'utiliser aussi dans le sens spirituel. It's also to use in a spiritual way. Hallelujah. Hallelujah. D'utiliser aussi ces jours-là dans le sens spirituel. It's also to use these days in a spiritual way. Que chaque jour tu peux si on te pose la question. In order that every day, if you are being asked the question, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as marqué de manière spirituelle aujourd'hui? That what have you done in a spiritual manner today? Tu sois à mesure d'expliquer. That you may be able to explain what you've done. Tu sois à mesure d'expliquer. That you may be able to explain what you've done. Je disais à ma fille. I was saying to my daughter. Qu'aujourd'hui. That today. On ne voit pas les sentiments spirituels animer vos cœurs. That we don't see any spiritual feeling animating your heart. On ne voit pas. We can't even see it anymore. En tant que jeunesse. As youth. Qui aspire au baptême. That are aspiring to baptism. À la nouvelle naissance. To the new birth. On ne vous voit pas parler de cela. We can't even see you speaking on about voit this. Que vous n'avez pas le goût. We can see that you don't even have the desire or the envy. On ne vous voit pas parler de la Sainte Cène. We don't even see you speaking about the Lord's Supper. On ne voit pas. We don't see this. On ne vous voit pas parler du baptême du Saint-Esprit. We don't even see you speaking about the baptism of the Holy Spirit. Je disais cela que c'est bizarre. I was saying to her that this is weird. En tant que jeune que vous êtes. As a young person that you are. Vous ne parlez pas de la prophétie. You're not speaking about prophecy. Tu parles en langue. You're not even speaking about speaking in tongues. C'est pas possible. That this is not possible. C'est pas possible.
impossible. It is not possible. C'est ce qu'il doit aspirer vos cœurs. This is what your heart. Je veux que le Seigneur m'utilise dans les prophéties. This is what je your heart aspires to. That I want the Lord to use me. Je veux parler en langue. I want to speak in je tongues. Je veux voir le Seigneur m'utiliser dans les guérisons. I want to see the Lord using me in healing. Je veux voir le Seigneur m'utiliser dans les délivrances. I want to see the Lord using me in deliverance. Ça doit t'animer. This must be your tu desire. Tu dois parler de cela. You must speak about this. Tu dois parler de cela. You must speak about this. Mais quand il faut parler des choses inutiles. But when you need to speak about unuseful things. On entend de l'autre côté, on entend vos voix. You will hear their voice from far off. Pour des choses qui ne vous servent de à rien. For things that are not even useful vous to you. Vous devez changer. Alléluia. You need to change. Alléluia. Faites attention aux jours que vous avez. You need to be careful to the days that you've been given. Aux jours de votre jeunesse. To the days of your youth. J'ai dit le Seigneur vous exhorte bien. And I said the Lord is calling upon you. Pour les jeunes. You the young one. Alléluia. Alléluia. Vous devez prier. You need to pray. Priez pour vos parents. You need to pray for your parents. Intercédez pour vos parents. You need to intercede c'est for your possible. Parents. It is possible. Hallelujah. Hallelujah. Faites attention. Be very careful. Pour les jeunes. You the young one. Prenez conscience. Take conscience. Que un jour le Seigneur va vous interpeller. That one day the Lord is going to ask you the question. Hallelujah. Hallelujah. Le Seigneur va vous interpeller. The Lord is going to call upon you. Si tu ne changes pas. If you do not change. Si tu ne changes pas. If you do not change. Bien-aimé. Beloved. Nous allons toucher le dernier point. We are going to move on to the last point. Je disais que le Seigneur ne veut pas t'appeler en jugement. I was saying that the Lord does not want to call you in judgment. Parce qu'il t'aime. Because he loves you. Parce qu'il veut te sauver. Because he wants to save you. Parce qu'il veut te délivrer. He wants to set you free. Parce qu'il veut te guérir. Because he wants to heal you. Hallelujah. Hallelujah. Le Seigneur ne veut pas. The Lord does not want to c'est call in judgment. C'est pour cela que nous devons prendre conscience pendant ce temps-ci. This is why we must take conscience during this time. Nous sommes dans les derniers jours. We are in the ends of days. Le Seigneur dit quoi dans la, nous allons lire Jean. We are going to read in the book of John. Le chapitre 3. The Gospel of John, chapter 3. Chapitre 3, le verset 17. John, chapter 3, verse 17. À 19. From 17 to 19. For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deed were evil. Amen. 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 Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ton Dieu ne veut pas te juger. I said, your God don't want to condemn you. Ton Dieu ne veut pas te condamner. He doesn't want to condemn you. Au contraire, il veut ton bien. Rather, he wants your good. C'est pour cela que tu entends ces paroles. That's why you are hearing this word today. C'est pour cela qu'ensemble nous sommes ici et nous écoutons ces paroles. That's why together we are here and we are listening to this word. Parce que Dieu veut nous sauver. Because God wants to save us. Il veut nous délivrer. He wants to set us free. Il veut te guérir. He wants to heal you. Si tu es malade, if you are sick, il veut te délivrer. He wants to set you free. Si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, if you got difficulties and trouble, ton Dieu t'aime. Your God loves you. C'est pour cela que tu dois abandonner ces voies. That's why you must forsake all these bad ways. Et observer des jours qu'il t'a donné. And you need to observe or number the days that he's given et you. Et bien garder des jours qu'il t'a donné. And you need to use them in a good manner. Et bien fais usage des jours qu'il t'a donné. And you need to use them in a good manner. Parce qu'il dit que oui, celui qui ne croit pas. Because it says that the one that does not believe.
Cette personne est déjà jugée et condamnée. That this person is already condemned. Bien-aimé, oh, il a dit qu'il n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde. What has he said that he didn't send his son in the world to condemn the world? Pour juger le monde, non. Or to judge the world? Non. No. Mais pour que le monde soit sauvé par son fils. But in order for the world to be saved through his son. Oh, bien-aimé. Whereas beloved. Oh, son fils a ses règles à suivre. Whereas his son's got his commandment to follow. Son fils a ses exigences. His son's got his exigence to follow. Que tu dois t'appliquer à cela. You know, that you need to practice. Bien-aimé, fais attention. Beloved, be very careful. Devant Dieu. Before God. On n'aura pas d'excuses. We won't have any excuses. Vous savez bien. You know very well. Lorsque tu es un étranger dans un pays. When you are a foreigner in another country. Lorsque tu arrives dans ce pays-là. When you get in that country. Ton devoir, your duty, c'est de connaître la loi de ce pays-là. It is to know the law of that land. Si tu vas commettre, par exemple, tu pars offenser la loi. If you go and break the law, ou tu pars commettre un délit. Or if you commit something that is not according to the law. On va devant le juge. Before the judge. Si tu dis que Monsieur le juge, je ne savais pas. If you say to the judge that Mr. George, I didn't know. Il va te dire ceci. It's going to tell you this. Monsieur. It's going to say. Nul n'est censé ignorer la loi. It's going to tell you that no one is expected to ignore the law. Et pourtant, lorsque tu es entré dans le pays, on ne t'a pas enseigné la loi. Whereas when you came in the country, you were not taught the law. Tu ne peux pas dire que Monsieur le juge. You can't claim that Mr. George. Lorsque je suis entré dans ce pays, that when I came in the country, vous n'avez pas envoyé quelqu'un pour m'enseigner la loi. That you didn't send anyone to come and teach me the law. Donc moi, vous ne pouvez pas me condamner. So me, you can't condemn me. Vous suivez un peu ce que je suis en train de dire? Are you following with me a bit? Are si tu dis au juge que il fallait envoyer quelqu'un pour m'enseigner la loi, if you want to use the excuse by saying to the judge that you should have sent somebody to come and teach me the law, il va dire que c'est ton problème. And he's going to say that is your own problem. C'est ton problème de connaître la loi. That is your duty to know the law. C'est ton affaire de connaître la loi. That it is your duty to know the law. Vous suivez? Are you following with me? Donc on doit faire très attention. So we must be very careful. Avec des choses qu'on dit. With the things that we say. Oh, on ne m'avait pas enseigné. That oh, I was not taught this or on that. On ne m'avait pas dit. That oh, I was not told this c'est or that. C'est ton devoir de chercher à connaître. It is your duty to seek to know. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Moïse fait la prière, il dit Seigneur, enseigne-moi. Toi, enseigne-moi. That's why Moses make the prayer asking the Lord, Lord, teach me. Enseigne-nous. Teach us. À mieux compter nos jours. To know how to numbers our days better. Afin que le résultat de cela. In order that the result of our days. Le résultat de cet enseignement. That the result of this teaching. Nous puissions être à l'exercement de la sagesse. In order for the result of this teaching to lead us to be practicing wisdom. Alléluia. Hallelujah. C'est ce que tu dois faire. This is what you must do. C'est ce que nous on doit faire. This is what all of us we must do. C'est ce que tu dois comprendre. This is what you need to understand. Et fais attention. And also be very careful. Ton Dieu t'aime. Your God loves you. Tu dois t'engager. You need to commit yourself. Tu dois t'engager. You need to commit yourself. Lorsqu'on dit que allons. When we say let's go. On va à l'évangélisation. That we're going out there to proclaim the gospel. Pour toi, tu crois que c'est quoi? For you, what do you understand by si this? Si ton cœur est appliqué à la sagesse. If your heart is applied to wisdom. Tu dois comprendre. You need to understand. Tu dois comprendre. You must understand. On ne doit pas te flatter pour cela. That we don't need to just beg you for this. On ne doit pas te dire pardon pour cela. That we don't need to beg you for this. Si ton cœur est appliqué à la sagesse. If your heart is applied to wisdom. Tu dois comprendre. You need to understand. On dit que allons à l'église. When we say let's go to church. Viens à l'église. Come to church. Viens allons faire telle activité. When we say let's go and do this in regard to church. Tu ne dois pas, on ne doit pas te forcer. We must not just force you. On ne doit pas te flatter. We must not just beg you. Bien-aimé, fais attention. Beloved, be very careful. Pour ton salut, fais attention. For your salvation, be very careful. On ne doit pas te forcer. We must not force you. Et je veux encore te dire. And I want to tell you one more time. Que tu ne dois pas être capricieux pour cela. That you must not be begged for this. Capricieux. Il y a beaucoup de chrétiens capricieux. There are many Christians that are
claiming that you're just Christian. Je ne sais pas si ils font des caprices avec Dieu ou c'est avec l'église, je ne sais pas. I don't know whether they are just joking with God or the church, I don't know. Vous savez ce qu'on appelle des caprices? Do you know what we call des caprices. Acting like a baby. C'est des enfants qui font ça. These are children that they do this. Il dit papa, donne-moi un bonbon. They come and say, oh, father, dad, give me a sweet. Tu dis que je ne te donne pas de bonbon. If you say I'm not going to give it to you, and then he's going to say I'm not speaking to you anymore. Il regarde le mur. And then he's going to turn himself around and look at the wall. Bien-aimé, fais attention. Beloved, be very careful. Fais attention. Be very careful. Et que le Seigneur te bénisse. And may the Lord Parce bless que je you. Crois que tu as compris. Because I believe that you understood Dieu tonight. T'aime. Your God loves you. Et c'est pour lui que tu as été baptisé. And then it is for him that you were baptized. C'est en lui que tu as été baptisé. It is in him that you were baptized. Donc bien-aimé. So beloved. Donc ensemble nous devons faire attention. So together we must be very careful. Et observer les jours que le Seigneur nous donne. And we need to observe the days that the Lord is giving us. Afin que notre salut soit garanti. In order for our salvation to be certain. Hallelujah. Hallelujah.